Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à sauver ma roue arrière avec une dépense minimale, comme d'habitude, parce que cette chaîne est quand même tenue par un radin. Moi, je déteste dépenser de l'argent inutilement. Si je peux faire tenir les pièces que j'aime rider le plus longtemps possible, j'essaye de le faire. Je vais déjà vous montrer comment marche un driver. C'est un type de driver précis. C'est un driver avec des bagues céramiques à l'intérieur. Alors, les bagues céramiques, c'est quoi ? On est sur ça. Ça, c'est la bague qui va sur l'axe de roue. Ça, c'est les bagues céramiques qui vont à l'intérieur du driver. Et en fait, ces bagues céramiques font tourner le driver. Et en fait, avec le temps, cette fameuse bague, elle s'est usée. Ça a commencé à prendre du jeu, mes dents de driver accrochaient moins. Et à chaque fois que je pédalais fortement, ça craquait et ça me faisait peur. Parce que le fait que ça craque, t'as l'impression que ton vélo, il va lâcher et que tu vas tomber. Ça, c'est mort. Je le mets de côté. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon driver, un pied à coulisse. Donc un pied à coulisse, ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage pas cher. Hein. Celui-là, j'ai dû payer 5 balles. Il n'est pas ultra précis, mais ça fait le taf. Là, vous voyez, je vais prendre l'intérieur du driver. On est sur du 18 mm. L'épaisseur du driver, on est sur du 26. Et la taille de ma portée de roulement, qui est ici, hop, on est sur du 15. Je suis allé sur un site de roulement sur Internet. Le premier site de roulement que j'ai trouvé, hein. Je crois que c'est 1, 2, 3 roulements. Ils m'ont livré assez rapidement, d'ailleurs, je suis assez content. Et j'ai commandé la petite pièce là. Nick Tanner. Pour ceux qui connaissent le rap, c'est pas du tout ça le groupe. J'ai reçu, du coup, les deux petits roulements. Vous les avez ici. Et ça, ça va pile dans mon driver. Hop, comme ça. Et le deuxième va pile aussi. Et ça roule. Et ça, c'est cool. Et c'est pas cher parce que j'ai payé le roulement 4,50€. 4,50€ plus 4,50€, le compte est bon, 9€. Et pour 9€, j'ai réussi à réparer un moyeu qui coûte dans les 200. Parce que le problème des pièces de 2014, tu trouveras pas les bacs céramiques, tu seras obligé d'acheter un autre driver. Et le moyeu neuf de base, il vaut 120, 130. Et un éclat dynamique comme ça, ça vaut 200. Donc je pense sérieusement que n'importe qui peut le faire. Parce que là, il n'y a pas de grosse mécanique. Hein. J'ai juste acheté le roulement, je le mets en place, ça marche. Après, si tu prends bien les cotes, normalement, tu trouves bien le roulement sur Internet. Et pendant que j'y suis, j'ai commandé des petits roulements aussi, comme ça, pour changer les roulements de ma roue. Comme ça, tout sera neuf et je serai content. Donc voilà, je vais vous montrer, hop, comme ça, je le remets en place. Et voilà, une roue toute neuve pour 10€. Enfin, un peu plus 15 avec les deux roulements de roue, quoi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais aller dans la rampe. Et je vais le tester un peu pour voir s'il craque encore. Et à la prochaine, bon ride. Hey, voilà, comme l'a si bien dit Grégory de la cuisine, il y a de plus en plus de Grégory, ça commence à être bizarre. Voilà, la roue est montée avec une nouveauté. J'ai enlevé mon rotor et j'ai mis une gaine. Comme ça, pour changer. Parce qu'en fait, je fais les whips dans un sens. Donc la gaine s'enroule. Et je fais les barres dans l'autre, donc la gaine se déroule. Donc au final, j'ai pas forcément besoin du rotor. Merci Nuded, top. J'ai commandé, le lendemain c'était là. Truc de ouf. Bon, bref. Je vais vous faire écouter ça quand même. Oh, que ça marche bien. J'ai l'impression d'avoir un vélo tout neuf. Je fais quelques tricks, juste pour le plaisir. Waouh, franchement, c'est top. Je suis trop content. Elle est toute neuve. Quand je pédale, c'est tout souple. Ça fait trop plaisir. Et pour 10€ seulement. Et ça, c'est l'économie du siècle. Bref, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à essayer de réparer vos vélos vous-même. C'est quand même moins cher que d'acheter des pièces neuves. Allez, bon ride. À la prochaine.